Et bonjour à tous, je lance une nouvelle vidéo détente sur ETS2. Donc aujourd'hui les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelques petits trajets, voilà. On va faire quelques petits voyages, des petits transports, tranquille, voilà, hop. Donc on se retrouve avec ce magnifique camion, ce magnifique Scania. Donc, je tiens à préciser, c'est pas le tout nouveau Scania. Enfin, les nouveaux Scania, parce que du coup j'ai fait la toute dernière mise à jour, la 1.31. Hop. Du coup, on va aller visiter le concessionnaire, histoire d'aller voir les nouveaux camions, parce que je les ai toujours pas vus. À moins que c'est vraiment celui-là. Ah si. Ah non. Ah oui, pas mal. Ah, ils sont plutôt beaux, tiens. Ils sont vachement beaux. Bon, moi j'ai celui-là, il me va très très bien. J'aime pas trop, ils sont un petit... J'ai l'impression qu'ils sont raplatis sur le dessus, perso. Ils sont pas mal, mais voilà, quoi. Hop. Du coup, bon, bah, je les ai vus, je vais pas vous faire de présentation, voilà, quoi, vraiment bref. Du coup, on va aller en direction de l'entreprise, je sais pas laquelle. Quoi? Oh putain, je l'ai pris sur fait exprès. À la sortie, elle va encore être folle, théorique. On marche quand même, j'espère ne rien défoncer. Voilà. On est parti. Putain, voiture de merde, je veux juste me rabattre à droite. Dépêche. Déjà qu'on peut redoubler, vas-y, putain. Je sentais pas le redoubler par la droite. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez avoir des vidéos en multi sur ETS2 avec Clément ou avec Guillaume ou qui que ce soit. Dites-le moi, ou si vous avez ETS2 en multi, si vous voulez, on peut jouer ensemble, faire des vidéos ensemble, c'est comme vous voulez, c'est à vous de voir. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous voulez. Je tiens quand même à préciser avant tout. En solo, comme maintenant, je respecte les règles, mais alors en multijoueur, je m'en fous, mais royalement. Parce qu'en fait, sur la serveur, où il n'y a pas de voiture, tout simplement, comme ça, je peux rouler à 160 avec mon Volvo. Voilà, 160, je fais des transports assez rapidement. Bon, maintenant, on va faire quelque chose que Guillaume m'a appris. Voilà, c'est Guillaume qui me l'a appris, c'est les péages automatiques. Et ce que je trouve super bien foutu, c'est que dans les pays un peu plus pauvres, pardon, par exemple, dans la République tchèque, je sais pas comment ça se dit, et bah il n'y a pas, simplement il n'y a pas ça, il faut y aller manuellement. Je trouve ça bien foutu parce que c'est quand même les pays un petit peu les plus pauvres d'Europe, voilà, un petit peu moins développés. Contrairement à la France, l'Espagne, tout ça, c'est quand même des pays moins développés. Du coup je trouve ça quand même vachement bien foutu. Que là-bas il n'y ait pas de péage automatique et qu'ici il y en ait justement. Et je trouve ça pratique d'en avoir, comme ça tu roules à 30, tu passes et puis ça part au four, quoi. Et puis après tranquille, voilà, quoi, tu peux continuer de rouler, tu perds pas de temps, pas besoin de t'arrêter, ni rien.
Ah, random event? Non, pas du tout. Ah, quoi. Et pas mal les petites animations, les bruits, tout ça, j'aime bien. Ah, le feu il va passer au rouge. C'est sûr, mais à 100%. 99,9%. Ça passe. Voilà, il y a le temps de passer. Pas le temps, je suis désolé. Je vais voir s'il n'y a pas un truc dans le coin là. Luxembourg, il n'y a pas du tout. Où ça? Bon bah écoutez les gars, on se retrouve là-bas. On se retrouve une fois arrivé là-bas. Je vais pas vous mettre de tarif ni rien, mais on se retrouve une fois là-bas, ok? Oui, donc petit message, parce que là je suis en train de faire le montage, il y a une partie de la vidéo que je peux pas récupérer, du coup bah j'ai dû louper. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, vous allez voir, c'est assez choquant quand même. Oui, donc on se reprend là, mais comment on fait? Déjà pour sortir. Il m'attend, tu me fais ça. Les gars, je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée. Un gigant, giganté, je sais pas quoi là, mais je sais que c'est géant, merci. J'ai peur. Je crois que j'ai fait encore une plus grosse connerie.